C'est-à-dire qu'il y a les gens ici dehors, quand on les parle, ils sont toujours en train de dire qu'ils maîtrisent, ils maîtrisent. Surtout les femmes là. Quand on vous parle, vous êtes en train de dire, ma meilleure amie, ma meilleure voisine, ma meilleure X, ma meilleure Y. Méfiez-vous. Quand on vous dit que le dehors est gâté, quand on vous donne les conseils, quand on vous sensibilise, vous dites toujours que non. Ça, c'est des histoires. Méfiez-vous de celles que vous appelez mes copines. Ma meilleure copine. Je vais vous présenter une image. L'image que je vais vous présenter, certainement d'autres ont déjà vu cette image-là. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, ça sera nouveau. Donc, regardez bien cette image. C'est deux copines. Hein. Regardez. Vois ça. Nigga, qu'est-ce qui se passe encore ici? On voit ça. Hey. Pourquoi aussi se manque quand? Voilà, avant que vous continuiez à regarder un peu l'image là, je vous explique un peu l'histoire pour que vous compreniez vite la vidéo. En fait, c'est deux copines au bar. Deux meilleures copines, il faut préciser, au bar. L'autre part pour se mettre à l'aise. Pas derrière, sa meilleure copine met quelque chose dans le verre. Vous comme le dehors est mauvais, non? Et c'est sa copine qu'elle voulait même tuer là, qui va lui sauver même après. Regardez. Est-ce que moi je bois? Je suis même mec que je bois pas la vie. Tu vas apprendre, tu bois. Ah mais, si tu ne crains rien, pourquoi tu ne bois pas? Vous voyez même que même sa copine est dépassée. Si tu ne crains rien, pourquoi tu ne bois pas alors? Pourquoi elle ne boit pas? Comment on dit 99 jours pour un bandit? Un seul jour pour le patron. C'est donc ça. Donc, ça, c'est des filles qui passent de table en table, de bas en bas, pour empoisonner les gens. Pour que vous comme vous comprenez que chaque fois que on vous dit souvent que oh, une famille s'est réveillée le matin, il y a eu 5 morts, ils ont mangé la nourriture. Ce sont des voisines. Tu prépares ta nourriture, tu es un peu distrait, la voisine vient mettre pion dans la mamie. Ça vous ramasse. On dit la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Soyez prudent. Soyez prudent. Heureusement que le tipsy était là. Il a vu l'action. Quand sa copine revient dans maintenant, s'assoit pour boire, le gars dit, c'est elle qui va boire ça. Elle m'a dit, non, je ne bois pas la bière. Tu bois le sang, tu vas boire. Regardez, elle va boire. Tu dis que tu ne bois pas la bière. C'est parce que tu ne bois pas la bière que tu commences à pleurer. Tu buvais, c'est que peut-être tu devais partir, non? Ce qui me surprend, c'est qu'elle pleure. Elle pleure que tu me demandes de boire ça. Est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai dit que je bois la bière. C'est-à-dire que les sorcières, non? Les vampires, c'est la magie, mon frère. C'est-à-dire que elle fait maintenant comme si non, elle veut donner la pitié. Elle... Alors qu'à l'heure actuelle, si sa copine devait être dans le coma, regardez, elle va boire. Regardez bien comment ça va se passer. Qu'elle va boire, regardez ce qui va se passer. C'est comme ça donc que le massacre commence. Voilà. Voilà. Tu te reprochais de quoi? Assois-toi. Les gars, vous savez quoi? Elle s'assoit là-bas, on observe sa réaction. Assois-toi là-bas. Hey, papa, oui, tu ne bouges pas d'ici. Tu ne bouges pas. Je sais même pas pourquoi les gars t'appellent depuis que bois. Ah, si Rasta manquait, nous allons voir la réaction. Assois-toi là-bas, non? Les gars, viens boire, tu vas voir. Hey, viens jouer. L'hôpital est à côté. Les choses comme moi, je manque où ça s'est passé. Les gars, on s'assoit, on look un peu comment ça va se passer. Ah. Tu pleures quoi? Hey, les gars, elle est tombée. Pause publicitaire. Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS. Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur l'affiche, là sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez. Allez, l'avantage, c'est qu'il t'accompagne dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les riches, hein, même les moyens et les pauvres.
avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Il vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site là pour avoir plus d'informations. Ok. Ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que c'est sa copine qu'elle voulait tuer là, qui va chercher plutôt maintenant à lui sauver la vie. Regardez. Et aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. C'est déplorable. Comme je vous ai dit depuis le début, c'est une ancienne image. Je suis revenu juste sur ça parce que le phénomène de l'empoisonnement ne fait que s'empirer du jour au lendemain. Donc les gens à qui vous faites, que vous donnez votre confiance là, il n'y a plus de confiance de nos jours. Il n'y a plus l'histoire de ma meilleure copine. Ça n'existe pas, de mon meilleur ami. Tu peux avoir un ami, tu peux avoir une copine. Mais il faut les limites, il faut la barrière, il faut... Donc, ne te donne plus à quelqu'un, quelle qu'en soit la personne, totalement. J'ai dit qu'il faut faire attention. J'ai balancé la vidéo, c'est juste pour vous sensibiliser sur ce phénomène d'empoisonnement. Quand on voit tous les jours à la télé que oh, telle famille s'est couchée hier, le matin, on a trouvé 5 corps, on a trouvé 10 corps, on a trouvé 8 corps, 5, 6 corps. C'est des choses comme ça. Tu fais totalement confiance, juste à tu dis même à ta voisine d'aller faire le feu sur ta nourriture. Alors qu'elle est même là, elle est jalouse de toi. Tout ça, c'est la jalousie. Elle est même jalouse. Pour rien, hein? Pour rien. Peut-être même comme ça parce que tes enfants dépassent sa part. Ou bien tu as les enfants intelligents. Ou bien... tu gagnes un peu mieux ta vie. C'est comme ça. On finit avec toi. Soyez sages. Ne me dites pas merci. Hein. Partagez juste la vidéo. Partagez pour que l'information circule. Et entre temps, si tu es nouveau sur la page, si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. Parce que c'est la chaîne de la sensibilisation, du divertissement et de l'information. On est ensemble. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.